Internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aussi pour une nouvelle vidéo sur Funcraft. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler pas nécessairement du gameplay, mais surtout, c'est pas le gameplay qui va être important, mais je vais surtout vous parler et d'un sujet un peu tabou. Oh, bien sûr, tu veux screen, il n'y a aucun souci, mon très cher ami. Je vais surtout parler du fait que... tiens, prends un screen, dépêche-toi, t'as 2 secondes pour prendre un screen. Je vais surtout parler du PvP Faction dernièrement. J'ai beaucoup... admirer, si on peut dire ça ainsi, les serveurs PvP faction, etc. Et j'ai remarqué une chose, j'ai remarqué que la communauté sur chacun d'entre eux était dégueulasse. Je veux dire, dégueulasse. Et puis, il y a Uncle MySkill qui a fait une vidéo dernièrement à propos de ça. Plutôt lui, c'était plutôt la communauté genre PvP et tout, quand ils sont mal, etc. et tout. Moi, c'est plus le PvP faction en général, d'un côté de vue plus approfondi, dans le sens que j'ai remarqué que les serveurs sur IP, les connectés sont gravement descendus, etc. Je me demandais, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a pu arriver à notre mode de jeu qu'on aimait vraiment beaucoup il y a quelques temps? Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé, quoi? Je veux dire, je comprends plus. Maintenant, les gens, ils s'insultent. Enfin, je sais pas, man, c'est la merde partout. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui est arrivé pendant ce si peu de temps pour que le PvP faction devienne aussi cancérigène. Maintenant les amis, ok, je vais vous le dire. Merci jeune homme, c'est gentil. Comme vous voyez, genre sur Funcraft, là, voilà. Vous voyez, en ce moment, le gars, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Sur un serveur PvP faction, les gens auraient dit « Oh, Icons, 20 000 abonnés, tu fais pas tes vues, gros fils de pute, etc. » Tu vois, les gens, c'est ça qui auraient dit sur un serveur PvP faction. Et c'est ce que je trouve vraiment dommage, je veux dire, yo, genre, c'est le point qu'Uncle MySkill faisait aussi dans sa vidéo. C'est que c'est pas parce que j'ai 22 000 abonnés en ce moment, d'ailleurs merci beaucoup hein, pour les 22 000 abonnés, c'est pas parce que j'ai 22 000 abonnés que je suis quelqu'un de différent. Moi j'ai juste fait une vidéo à un moment donné, okay, la première vidéo que j'ai fait, c'était moi qui présentais ma base. Dans un serveur qui s'appelait Ponycube à l'époque, c'était un serveur qui était quoi, sans connecté, etc, qui était quand même assez populaire à l'époque, on va pas se cacher. J'ai fait une vidéo de, une présentation de ma base avec mes amis filles. J'avais des amis deux, une amie fille qui s'appelait Coralie à l'époque, avec sa meilleure amie qui s'appelait Lova, ou peu importe, là, l'inverse, c'était peut-être Lova et Coralie, je sais pas, mais bon. Et en gros, avec elle, on avait fait une putain de belle base, et d'autres gens aussi, on avait fait une belle base, et aussi un autre gars qui s'appelait Skyboss, bref, voilà quoi. Et j'aimais vraiment la base qu'on avait fait, donc j'ai voulu un peu la présenter au peuple sur l'internet. Donc j'ai filmé ma base et puis voilà quoi, je veux dire, ma vidéo a fait 1000 vues, j'ai eu un peu d'abonnés et j'ai commencé ainsi. Mais avant sur cette chaîne là, faut quand même le savoir que je faisais du Call of Duty, hein. Je faisais des trickshots etc avec un gars qui s'appelait Samuel. On n'était pas tellement bon trickshot, mais on essayait. Et l'important dans la vie, comme ma mère a dit toujours, c'est d'essayer, Alexandre. Il faut que t'essayes dans la vie, Alexandre. Donc, ok, toi, tu t'essayes de me faire tomber, j'ai l'impression. Donc, c'est pas très gentil, ça, hein. Je vais pas te cacher que c'est pas très, très gentil. Salut! Tu veux voir ma bip? Ok, j'ai plus de bloc dans ma main. Un petit peu plus, et j'avais... Hé! On fait pas des choses comme ça! Oh non, je voulais genre le pousser en bas et réussir à aller mettre un truc. Oh, tabarnak, pourquoi on me rush tout le temps moi, Chris de calice? Ok, attendez un instant, on va vite fait se prendre une épée. Boum, on a pris 2 épées pour rien. On n'a pas pris de bloc. Ok, on va mourir encore une fois, les amis. Oh non. Oh shit, je suis pas très doué en rush, hein, les amis, vous le savez. Ok, qu'est-ce que tu fais, toi? Viens ici. Tabarnak, lui est arrivé de l'autre côté. C'est bon, on se fait tout le temps focus dans ces esti games là. Faut que je me nique, man. Faut vraiment que je me nique. Faut que j'arrête de... Faut que je me nique. Faut vraiment, vraiment que je me nique. Ok, voilà. J'ai... Moi, privé, ok. Bon. Donc voilà, mais en gros, on va relancer une game. Comme ça, mais on va se nique. Attends, comment on fait pour se nique? Ah ouais, comme ça, nique. Pseudo et XX. Ok, super. Ça a l'air de bien marcher.
Donc, en gros, ouais, je trouvais ça vraiment un peu embêtant de se faire tout le temps insulter dans les PvP factions, etc. Puis, je sais pas, juste Minecraft en général est devenu un peu cancérigène. Merci, jeune homme. Est devenu cancérigène en lui-même. Les gens essayent tout le temps de juste de devenir le meilleur dans tout, etc. Puis, genre, je comprends, ok, je veux dire, ok, certes, faut qu'il y ait de la compétition dans le jeu, mais de là à insulter les gens ou quoi que ce soit, genre. Je sais pas, man. Je suis du même avis que Ankuno sur le fait que la communauté est vraiment partie en couille. Ensuite, je sais que, genre, on est là à se critiquer, etc. Mais, genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour l'améliorer et ça commence. Et la seule chose qui pourrait faire qu'on puisse améliorer la communauté faction, en fait, en ce moment, malgré qu'elle soit vraiment, vraiment basse, c'est de chacun d'entre nous. Être plus loyal, être plus poli, pas insulter, pas réagir publiquement. Ok, certes, on peut réagir. Et moi, là, regarde dans mes vidéos, des fois, là, je rage, etc. J'ai insulté des gens, des fois. Mais je regrette ça, je veux dire. Genre, on fait tous des erreurs, puis je veux dire, je suis pas parfait non plus. J'insulte des gens, des fois, puis des fois, je me fais insulter, puis c'est correct. Si j'insulte la personne, puis elle m'insulte, c'est correct. Mais si je veux dire, j'arrive sur un serveur, puis on me dit, oh ouais, con, youtubeur de merde, tu boostes tes abonnés et tout, là. Bon, regarde, j'ai juste acheté 20 000 abonnés, les gars, là, regarde, c'est pas beaucoup. Calmez-vous, ok? Mais, en gros, voilà, c'est juste ça que je voulais. Vous dire en gros, c'est que si chacun d'entre nous faisait des efforts, je pense franchement qu'on peut améliorer l'état de notre communauté. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus aucun YouTuber faction à part moi, hein, Kuto MySkill, iSweet de temps en temps. Je vois plus beaucoup iSweet, ce qui est vraiment dommage parce que c'est quand même quelqu'un que j'apprécie énormément. J'appréciais ses vidéos faction, etc. Puis je trouve qu'il n'y a plus personne parce qu'on regarde à l'époque, il y avait Isaac, etc. Tous ces gens-là qui étaient vraiment quand même des personnes qui animait la communauté PvP faction. Maintenant, il n'y a plus de YouTuber faction, man. Il y a moi, Ankno, qui continue à faire du faction, mais je pense Ankno, il arrête. Maintenant, il va se concentrer plus sur les mini-jeux, etc. Mais, oh, il y a déjà un gars qui est éliminé. Mais en gros, ouais, je veux dire, il n'y a plus de YouTuber faction. Et puis, franchement, je ne sais pas trop quoi non plus vous présenter en contenu faction. Faut comprendre ces gens-là qui ont arrêté. C'est un peu normal. Je veux dire, au bout d'un moment, on a tourné autour du pot. Il n'y a plus vraiment grand-chose à vous présenter. Les serveurs, c'est tous les mêmes. Sur les launchers, c'est un saut un peu différent. Et les serveurs IP, bon, ben, c'est un peu difficile de vous proposer des let's play sur des serveurs IP. Il n'y a aucun serveur IP qui tourne à plus que 50 connectés en ce moment. Il y a PsylonMC qui ont ouvert, qui ont fait une ouverture flop, quoi. Je veux dire, ils ont dépensé énormément d'argent dans les YouTubers. Et puis, ça n'a pas servi à rien, on va pas se le cacher. Ça a servi à. Faut que je gagne ce combat-là. Si je gagne pas le combat, je vais vraiment être triste. Ok, c'est good. Donc, ouais, il y a leur ouverture qui a vraiment été, ben, selon moi, un peu gâchée à cause des lags, etc. Mais bon, je veux dire, regarde. On peut pas. Genre, je sais pas comment qu'on peut régler la communauté faction sur IP. Je veux dire, ça, il n'y a aucune façon qu'on puisse faire pour qu'il y ait plus de joueurs. Je veux dire, les serveurs, ils font de leur mieux, mais tu sais, je veux dire, ça revient tout le temps au même. La même chose pour mon serveur. Je veux dire, c'est pas un serveur différent des autres. Hein. C'est un serveur PvP faction. Certes, j'ai des abonnés, etc. Mais bon, faut dire aussi que la communauté YouTube, en général, est partie en couille. Je veux dire, maintenant, les gens qui, c'est genre, je vais surtout pas carrière sans la fin, mais je me masturbe en vidéo. Un tuteur se masturbe en vidéo. Une modératrice drague, quoi d'autre que j'ai vu? Ah, oh, il y a aussi Twitchender avec ses titres putaclic maintenant. Je veux dire, genre, yo man, comment vous voulez qu'on ait une communauté genre strict, genre pas strict, mais une communauté genre, je sais pas man, une communauté legit ou une communauté genre plus mature si déjà les gens qui représentent cette communauté-là sont en train de. Oh shit, on était chanceux de gagner ce combat-là. Mais comment vous voulez qu'on ait une communauté mature, que les gens qui jouent sur les serveurs soient matures, si les YouTubers sont même pas capables de faire des titres normaux? Ok, certes, c'est plus l'époque, genre des Let's Play épisode 1, etc. Mais là, de là à sortir des vidéos, genre je me masturbe en vidéo, blablabli, blablabla, je veux dire, il y a quand même des limites, là, tu sais, je veux dire. Ok, je suis pas parfait, moi aussi j'ai déjà fait des vidéos avec des titres genre. Seul contre tous, des trucs comme ça, tu sais, un peu qui parlent de la vidéo, mais jamais, jamais, les amis, je vais faire des vidéos du genre je me masturbe, etc. Bon, là, on part dans quelque chose d'autre, là, mais en gros, ça reste le même principe que les YouTubers influencent beaucoup la communauté, et si les YouTubers influencent mal la communauté, comment nous voulons que les serveurs soient avec une bonne communauté? Tout commence.
tout débute avec les YouTubers, selon moi. Personnellement, c'est mon avis, là. Après, peut-être que je me trompe. Je veux dire, c'est possible que... Ta gueule, j'ai gagné la game. C'est possible que je me trompe, tu sais, je veux dire... C'est possible que je me trompe, mais... je veux dire, moi, selon moi, je pense que... Tout commence des YouTubers, des gens qui ont une influence sur cette communauté. Et puis, la façon qu'on pourrait changer, c'est juste que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous... autant moi que vous, autant que n'importe qui joue en PvP Faction, c'est qu'il puisse être plus mature et voir les choses différemment. Faut pas oublier qu'à la base, c'est un jeu, puis ça commence vraiment à être un peu fatigant de tout le temps se faire insulter, qu'on soit YouTuber ou peu importe, là, je parle vraiment pour tout le monde, de se faire tout le temps insulter pour rien. Tu tues quelqu'un, la personne te dit « Oh, ta mère la pute, imagine ta mère est en train d'avoir un cancer ou quelque chose. » C'est sûr que ça te fait quelque chose, hein, je veux dire, c'est sûr que ça touche, etc., mais bon. Voilà, voilà, j'aimerais avoir votre opinion. Je fais vraiment une vidéo comme ça, c'est un peu plus comme un story time. J'aimerais vraiment plus, genre, je sais pas comment expliquer ça en français, mais des vidéos où que je parle d'un sujet un peu plus tabou, d'un sujet, etc. Et puis vous me donnez votre avis dans les commentaires. Ça peut être un avis positif autant que négatif. J'aime toutes les sortes d'avis. Vous pouvez me donner votre point de vue différent si je sais que j'ai peut-être parlé en mal sur certains YouTubers. Mais c'est pas contre leur contenu parce que c'est surtout contre les titres qu'ils choisissent. Parce que je vais pas vous cacher, dernièrement j'ai écouté, comme je parlais de Carlos en Afrique tout à l'heure. Mais regardez, dernièrement il a posté une vidéo qui avait pas un titre putaclic. Et puis la vidéo était de bonne qualité. J'ai laissé un commentaire positif sur sa vidéo. Je veux dire. Ce que je veux dire, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les vidéos qu'ils font, c'est pas, je veux pas que vous ayez leur lancer du hate ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste qu'on ait un sujet de conversation et discuter de ça et ici, dans les commentaires, sans s'insulter. Comme j'ai dit, essayez d'être loyal, essayez d'améliorer vous-même votre comportement, et puis peut-être que les gens vont pouvoir améliorer leur comportement et tout le monde va être content ensuite et qu'il n'y aura plus de tous ces bazars et tout. Ça serait vraiment, vraiment stylé. C'est quoi ce FreeCube? C'est quoi? Salut. Ah oui, c'est vrai, je me suis nick. Salut. C'est XXY. vraiment un beau nom. Je dois vous admettre, les gars. Vraiment un beau nom. Sa mère lag. Oh là 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 là. Non, je vois. Vous voyez? Encore là, j'allais insulter pour rien. Faut que je me calme, mes amis. Faut que je me calme, moi aussi. Ouais, sur ce, la game a été quand même assez longue, les amis. On a fait une grosse vidéo aujourd'hui. Je voulais juste vous... vous dire tout ça en espérant que cela vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, les amis, laissez un dislike et laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pas aimé. J'aimerais vraiment que améliorer mes vidéos, améliorer le contenu de mes vidéos, etc. Et puis, est-ce que ça... Ok, voilà. Voilà, exactement ce que je disais. Nick, ta mère, icons. Pourquoi? Voilà. Je veux dire, j'ai rien fait. Je rejoins un lobby et puis on m'insulte comme ça. Oh là là. Ah, compte, t'as pas de skill. Ok. C'est super. Je sais que je suis nul. Merci. Ah là là là. Tout ce que j'ai prouvé vient d'être anéanti. Je vais me suicider. Au revoir.